Salut à tous, c'est Alizéa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo magique et on va parler des spoilers de Ravnica Allégeance. Voilà, toutes les cartes sont présentées, sont disponibles. Voilà, il y a 268 cartes dont 242 nouvelles cartes et donc 26 rééditions et 18 jetons. Voilà, tout a été présenté, donc dernier spoiler datant du 11 janvier. On va pas faire une review de toutes les cartes qui ont été présentées depuis le 3 janvier parce qu'il y en a un sacré paquet. Mais on va essayer de regarder les plus importantes, les plus sympathiques et se faire un avis dessus pour voir un peu ce qu'il en est. Donc pour information et rappel surtout, la sortie papier de cette extension c'est le 25 janvier. Et le 17, je crois 17 ou 18 sur Magic Arena. Donc je ferai une petite vidéo d'ouverture de booster pour cet événement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner déjà si ça vous intéresse de checker tout ça. Bon, on va commencer parmi toute la liste là. Voilà, il y en a un sacré paquet. Je vous laisserai le lien en description, donc le site que j'utilise pour aller voir toutes les cartes. Je suis sur Magicville, j'aime bien ce petit site, il est vraiment sympathique. Donc voilà, il y a plein de nouvelles cartes. Là, on en est à 9 janvier. Donc tout a été présenté, vous pouvez tout voir. Même les précédentes vidéos que j'ai fait sur le sujet, vous pouvez absolument tout vérifier. On va commencer avec une Unko. Une carte double consacrée consumée. Pour 2 mana consacrée, on exile une carte depuis un cimetière et on pioche une carte. Ça c'est très bien pour aller dégager des phénix ou ce genre de choses là. Ou même contre Golgari pour éviter qu'il aille rechercher des cartes de son cimetière. C'est plutôt pas mal. Et consumée pour 4 mana, un rituel. Le joueur ciblé sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qui contrôle. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. Autant vous dire que le tyran du carnage... Il saute, il zette, saute, ce genre de choses là, même avec la protection talismanique, tout ce que vous voulez. Par contre, il sort, il n'y a pas grand chose, et ça va faire une carte ultra importante dans plein de decks. Ça va être peut-être même en main deck, voire il y a de fortes chances que ce soit en side, en fonction de la méta, mais ça c'est une carte super puissante. Ensuite, nous avons le Pontife Impitoyable, c'est une 2-2 pour 2, ce qui est déjà très très bien. Unko, créature vampire éclair, et pour 1 on sacrifie une autre créature, et le pontife impitoyable acquiert le contact mortel et l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut permettre de faire proc la capacité au-delà, je crois, ou afterlife en anglais, qui permet quand une créature a cette capacité là de créer des jetons de esprit blanc noir 1-1 vol. Donc voilà, on peut comme ça pouvoir faire proc ces cartes-là. Honnêtement, je la trouve pas mal. Je la trouve vraiment pas mal. Une 2-2 pour 2, déjà, c'est bien. Et puis, ça coûte moins cher que l'avant-garde pour payer des points de vie pour la rendre indestructible. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a le Hanteur de cloche de la Basilique. Une 3-4 pour 4 mana, 2 blancs, 2 noirs, créature esprit. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte et vous gagnez 3 points de vie, ce qui est plutôt pas mal pour diminuer les possibilités qu'aurait l'adversaire à jouer derrière. Donc après c'est 3-4 pour 4, honnêtement je trouve que ça va pour défausser une carte de la main de l'adversaire. Carcasse des égouts, une 2-1 pour 1 créature squelette guerrier, elle arrive sur le champ de bataille engagé. Et pour 2 mana, on renvoie la carcasse d'égout depuis votre cimetière dans votre main. Donc c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose qu'on a plus ou moins déjà vu récemment en noir, qui permet de faire revenir. Alors c'était sur le champ de bataille, je crois. Mais voilà, ça permet d'aller récupérer une carte, de la sacrifier, de la faire revenir, etc. C'est un petit peu de la chair à canon qui est réutilisable à volonté, on va dire, tant qu'elle n'est pas exilée. Mystique à jabot, une 3-2 pour 4, elle a le flash, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez contrecarrer le sort ciblé, ça c'est oufissime. Tu joues ça, c'est monstrueux, c'est-à-dire que le mec va jouer un sort, on contre son sort, et en plus de ça, on a une créature qui reste sur le champ de bataille pour pouvoir être offensif au tour d'après. Je trouve cette carte-là extrêmement forte. Dans un deck bleu-vert
avec un petit peu de contrôle, etc. Tout ça, machin. Honnêtement, ça peut être super sympa. Il manque plus que le côté ondin et on est tip top, quoi. La carte est parfaite, mais c'est déjà moi je trouve ça extrêmement fort. Rythme de la forêt, ça je trouve ça complètement débile et vraiment sympathique à la fois. C'est un enchantement pour 3 manas, un rouge et un vert avec un incolore. Les sorts de créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés, donc au revoir tout l'aspect contrôle. Et les créatures non-jetons que vous contrôlez ont l'émeute, c'est-à-dire que soit elles arrivent avec un marqueur plus en plus 1, soit elles ont la célérité. Sachant que si une créature a déjà l'émeute, elle aura double émeute. Et si jamais j'ai plusieurs enchantements qui arrivent et qui disent la même chose, il y aura X émeute. Très très bien contre les decks agressifs. En rouge vert, honnêtement, je pense que j'en mettrais 4. Je ferais des petites créatures early mid pour pouvoir les booster avec des marqueurs plus 1 plus 1, une, deux ou trois ou quatre fois, ça dépend d'où est-ce qu'on en est dans la partie, pour essayer de l'agresser et de donner la célérité et de les booster. Donc honnêtement, j'adore ce petit enchantement. Dans un deck agressif, ça peut faire le café. On peut pas contrer, on booste nos créatures en plus quand elles arrivent sur le champ de bataille. Donc ça fait mal, ça fait mal. Moi j'aime bien là, avec ça là, ça m'a donné des petites idées pour du rouge vert. Je me ferai un petit deck agressif, je pense, rouge vert, histoire de voir ce que ça donne. Ensuite, Nikia des Traditions, une 5-5 pour 5 qui nous empêche de lancer des sorts non créatures. Donc un peu comme le Ferox, je crois, qui a la même capacité. Et à chaque fois que on engage un mana un terrain pour générer du mana, on ajoute un mana de n'importe quelle couleur que ce terrain a produit. Donc si on engage un mana vert, finalement en fait on aura un deuxième. Ça permet de jouer des grosses cartes plus facilement. Donc pourquoi pas. Après voilà, c'est un peu cher, une 5-5 pour 5. 5 mana, on est quand même assez loin en termes d'avancée de partie en général. Donc est-ce qu'il aura sa place, je sais pas. Tout dépend de comment la méta va évoluer. Mais dans l'idée, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a le Planeswalker Domri, porteur de chaos. Donc c'est Planeswalker, donc rouge, vert pour 4 mana, 5 points de loyauté. Son plus 1 permet d'ajouter un mana rouge et un mana vert. Et si ce mana est dépensé pour un sort de créature, elle acquiert l'émeute, donc plus 1 plus 1 ou la célérité. Son moins 3, on regarde les 4 cartes du dessus de la bibliothèque, on en révèle jusqu'à 2 cartes de créatures parmi elles, on les met dans notre main et le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et le moins 8, on gagne un emblème au début de chaque étape de fin, on crée un jeton de créatures 4-4 rouge et verte bête. Honnêtement, le premier est vraiment sympa. Faire du plus 1 et le moins 3 de temps en temps quand on a besoin d'aller chercher des créatures, ça peut être sympathique. Voilà, il a le même coup que Adjani. Je pense qu'il peut être joué. Ensuite, Colère de Kaya. Ça, pareil, je trouve ça oufissime. Un rituel pour 4, c'est une bonne grosse vrasse. Détruisez toutes les créatures. Vous gagnez un nombre de points de vie égal au nombre de créatures que vous contrôliez qui ont été détruites de cette manière. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le fait de pouvoir gagner des points de vie et de se dire, bon, bah voilà, l'adversaire a l'avantage en termes du nombre, en termes de puissance. Donc je détruis toutes les créatures et je récupère des points de vie histoire de renverser en fait finalement l'avantage qu'avait l'adversaire et de récupérer quelques points de vie pour pouvoir tenir quelques tours afin de continuer et de profiter de ce tournant pour me laisser un peu de marge pour reprendre l'avantage face à l'adversaire. Honnêtement, je trouve ça super sympa. J'aime bien cette carte là. Ensuite, une autre carte que je trouve complètement pétée. Formation inébranlable, éphémère pour 3 mana. Les créatures que vous contrôlez, acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc on attaque, on bourrine, formation inébranlable. Et si jamais on le joue pendant notre phase principale, on met un marqueur plus 1 plus 1 sur chacune de ces créatures et elle acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc, phase principale, formation inébranlable, indestructible, marqueur plus 1 plus 1 et vigilance, on attaque avec tout et au revoir quoi. Donc du coup ça, je le vois très bien par exemple dans un Celestia Token, ça, on arrive, des marqueurs plus 1, indestructible, vigilance, donc on peut attaquer et bloquer par la suite, c'est pas du all-in, donc non,
Honnêtement, ça fait. J'adore ce spell, c'est monstrueux. Guilde mage du cartel, une 2-2 pour 2, ondin et sorcier. Donc ça ira sûrement dans un deck ondin. Pour 2 mana, un vert, un incolore, on engage chaque créature que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur plus simple supplémentaire sur elle. Et pour un mana bleu et un mana incolore, on déplace des marqueurs plus 1 d'une créature ciblée que vous contrôlez sur une créature ciblée que vous contrôlez. Donc on va pouvoir jouer avec les marqueurs plus 1 sur nos créatures, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, je trouve l'idée sympathique. Après, à voir dans les faits si c'est vraiment intéressant dans un deck ondin. Les arènes galopantes, ça pareil aussi, c'est un bon gros ton. Donc c'est une 3-3 pour 5 jusque-là, pas terrible, qui a le piétinement. Et quand le Lézarine Galopante arrive sur le champ de bataille, on peut retirer n'importe quel nombre de marqueurs +1/+1 des créatures qu'on contrôle. Donc si on a par exemple 4 créatures avec des marqueurs +1/+1, on peut décider de les retirer et de les placer finalement sur le Lézarine Galopante. Sauf que c'est pas 4 qu'on va placer sur le Lézarine, mais 8, vu qu'on va doubler le nombre de marqueurs qu'on a retirés pour le poser dessus. Donc 3 créatures ou 4, on va regarder l'exemple de 4 créatures avec un marqueur +1/+1, on leur retire un marqueur +1/+1, on en met 8 sur le Lézarène, et du coup 8, 9, 10, 11, ça devient une 11-11 piétinement, autant dire que c'est un gros ton pour 5 mana. Voilà, ça commence à piquer et je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec ça. Ça peut devenir un truc vraiment embêtant. Surtout qu'en bleu, avec la capacité de protéger nos créatures, il y a moyen de faire quelque chose. Ensuite, Paradé, donc une carte double rouge-noir, donc pour 2 mana, la créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Et pour 6 mana, détruisez le terrain non de base ciblé et Paradé inflige 2 de blessure à une cible, adversaire ou Planeswalker. Pas trop convaincu par cette carte-là, hein, clairement. Maintenant, voilà, faut voir si ça sera joué, mais je pense pas, enfin, je suis pas convaincu par. Par ça, à moins que le -3 soit pour une créature adverse, mais sinon pas trop convaincu par ça. Le Ptéramandre, un dracon salamandre pour un mana, c'est une 1-1 vol. Elle a l'adapté 4 et l'adapté 4 pour 6 mana. Et cette capacité coûte 1 de moins à activer pour chaque carte d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière. Donc ça, je le vois très très bien. Dans le deck dracon, hein, tout bêtement, Izzet Drake, potentiellement, donc ça peut très rapidement devenir une 5-5 vol, ce qui est plutôt intéressant. Ça en plus permet de se protéger contre des lava coils par exemple, qui infligent 4 blessures à une créature, donc ça va falloir 2 spells pour le contrôler plutôt que 1 pour les autres Drake. Donc honnêtement, je trouve ça pas mal. C'est un coût de mana plus faible et je trouve que ça rentre. C'est un peu plus early que ce qu'il y avait. Donc ça pourrait peut-être faire gagner au deck Izzet Drake un peu plus de rapidité et de puissance au final. À voir. Mais honnêtement, je le vois bien dedans. Ensuite, nous avons Procuration Protégement. Procuration, on met la carte, mettez la créature attaquante ou bloqueuse ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Donc c'est pas on la détruit, c'est pas machin quoi que ce soit, c'est hop, au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Pour 2 mana, honnêtement, je trouve ça vraiment bien. Et pour 5 mana, on crée un jeton de créature 4-4 blanche et bleu sphinx avec le vol et la vigilance. Je trouve ça cher pour un jeton de créature 4-4. Mais bon. Par contre, la procuration, j'aime bien cette idée de pouvoir face un deck agressif avec ça pour un deck contrôle. C'est des choses qui pouvaient manquer en blanc et ou en bleu. Ensuite, briser, braver, pareil, encore une double carte. Donc cette fois, c'est du rouge-vert. Éphémère, la créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à la créature ciblée que ou et ou au Planeswalker ciblé que vous ne contrôlez pas. Le côté Planeswalker, je trouve ça extrêmement fort, parce que jusqu'à présent, on avait que des petites cartes comme ça qui permettaient à une créature d'infliger ses dégâts à une autre créature. Là, on peut directement viser un Planeswalker qui est protégé par des créatures adverses qu'on ne pourrait pas forcément franchir, et du coup, ça permet d'éliminer ce Planeswalker directement, et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Par contre, le Bravé crée un jeton de créature 4-4 rouge et vert bête avec le piétinement.
Pareil, c'est comme l'autre, c'est pas super super pour 4 mana. Mais honnêtement, le brisé est vraiment super fort. Je pense que voilà, un ou deux dans un deck, on sait jamais, un Planeswalker qui pourrait y avoir en face, je sais pas, Teferi, Karn, enfin bref, il y a plein de petits Planeswalkers comme ça qui pourraient être dérangeants. De jouer ça, ça fait le taf, en plus c'est en éphémère, donc honnêtement, ça met bien. Ensuite, le Biomancien Bantique, c'est un 1-1 ondin pour 1 avec adapté, donc 1 pour 2 mana. Donc potentiellement, tour 2, on peut l'adapter si on a le mana. Et à chaque fois qu'il y a un marqueur +1/+1 qui est mis sur le Biomancien, je pioche une carte. Donc dans un deck ondin où il y a des marqueurs +1/+1 qui sont générés et créés, et bah du coup, ça peut être un moteur de pioche super intéressant. Sachant que le deck ondin a la fâcheuse habitude d'avoir des cartes de créatures avec des petits coups de mana, donc on se retrouve très vite les mains vides, et là ça va permettre de compenser un petit peu. Et honnêtement, ça dans un deck ondin, je le vois sûr à 100% dedans, et je testerai voir ce que ça donne. L'Ange de la Grâce, une 5-4 pour 5 mana. Cette carte est complètement pétée. Donc c'est un ange 5-4 vol, elle a le flash. Et pourquoi elle a le flash? Parce que quand elle arrive sur le champ de bataille jusqu'à la fin du tour, les blessures qui devraient réduire votre total de points de vie à moins de 1 point de vie réduisent à la place à 1. Donc on se mange un Benfire, ce que vous voulez, n'importe quoi. Et bah du coup on restera à 1 point de vie alors qu'on devrait descendre à 5, à moins 5, à moins 3, 0, ce que vous voulez. Enfin on devrait perdre la partie. On joue ça, tac. Ça peut un servir de bloqueur avec le flash pour une 5-4, honnêtement, quand on s'y attend pas, ça peut être utile. En plus de ça, jusqu'à la fin du tour, on peut pas perdre, entre guillemets. Et la capacité après, derrière, c'est quand elle est dans le cimetière, on l'exile. Et c'est pas qu'on gagne des points de vie, hein, c'est que le total de points de vie devient 10. Donc on ne gagne pas de points de vie, c'est juste voilà, notre total de points de vie est à 10. Donc ça nous donne un second souffle pour continuer le combat et peut-être prendre l'avantage sur notre adversaire. Très bonne carte en tout cas. On se retrouve sur une nouvelle double carte, Revif Rétorsion, renvoyée pour 2 mana, donc 1 mana, enfin 2 mana, blanc ou noir, c'est vous qui voyez. On renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière une carte de créature ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Je pense qu'il y en a pas mal en noir, blanc, qui peuvent être intéressantes à rejouer. Et Rétorsion, on double notre total de points de vie et l'adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'unité inférieure. Le côté revif est vraiment pas mal. Rétorsion, pourquoi pas, à voir dans peut-être certaines situations, ça peut être intéressant. Mais c'est surtout le revif de renvoyer sur le champ de bataille depuis le cimetière une carte de créature ciblée avec un coût de mana inférieur ou égal à 3. Je prends l'exemple typique de l'ange, la 3-3 pour 3 mana, si on gagne des points de vie, génère des jetons ange. Ça, c'est le genre de carte qu'on peut faire revenir sur le champ de bataille après une destruction, par exemple, ou une phase de combat. Ça peut être vraiment intéressant. Ici, Vitrail du Pacte des Guildes, c'est un artefact pour 2 mana. Les créatures multicolores vous contrôlez gagnent +1/+1. Il y a quelques cartes multicolores qui sont jouées. Alors, est-ce qu'il y aura des decks exclusivement multicolores? Je ne sais pas. Mais ça peut être intéressant de booster tout simplement dans un deck Afterlife. Et donc, au lieu d'avoir des tokens 1-1 vol esprit, blanc et noir, on aura des 2-2. Et ça fait très très mal quand même. Surtout que si on en joue 3 ou 4, bah, du coup, ça fera des 5-5 vol. Et autant dire que des 5-5 vol, ça peut faire très très peur. Et du coup, ça peut être très très dangereux. On continue avec la Cendre Liane, un enchantement pour 2 mana, un rouge et un vert. A chaque fois qu'un adversaire lance un sort non créature, le Cendre Liane inflige 1 blessure à ce joueur. Ça me fait penser un peu à la capacité de Niv-Mizzet. Et pour 1, on sacrifie donc notre enchantement, on détruit l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Et le Cendre Liane inflige 2 de blessures contrôleur de ce permanent. Ça c'est plutôt pas mal pour contrer en fait les decks contrôle quoi. Donc ça pareil, comme l'autre carte qui empêchait le fait de contrer les sorts de créatures et qui donnait l'émeute, et bah ça pareil, un enchantement qui va permettre
de pénaliser les decks IZ par exemple, les decks tout ce qui est deck contrôle en fait. C'est vraiment des petits dégâts, points de dégâts par-ci par-là qui vont être infligés à l'adversaire et qui peuvent lui faire mal au final. On continue avec Acuité de Dovin, un enchantement qui me fait penser au fonctionnement que ce qu'il y a déjà. Donc c'est le fameux enchantement qui permet, quand elle est jouée, donc qu'un adversaire se défausse d'une carte et quand on surveille un, hop, de récupérer l'enchantement dans la main pour pouvoir le rejouer, ainsi de suite. C'est un petit deck comme ça qui se joue. Avec ça, et ben là on a son opposé. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, on gagne 2 points de vie et on pioche une carte. Et à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère pendant notre phase principale, on peut renvoyer l'acuité dans la main de son propriétaire. Donc on joue un éphémère phase principale, on le récupère dans la main, on le rejoue, on pioche une carte, machin, nanana. Et ça permet à un deck contrôle de pouvoir justement comment dire, encaisser la phase d'agression de certains decks. Ensuite, on a l'héroïne de la première circonscription, une 2-2 pour 2, ça je trouve ça déjà pas mal. Et à chaque fois qu'on lance un sort multicolore, on crée un jeton 1-1 blanc humain. Et bah dans le deck Celestina Token, par exemple, c'est nickel. Il y a beaucoup de sorts multicolores, blanc et vert. Et bah du coup, on créera encore en plus des tokens avec cette carte-là. Je pense que ça peut faire son entrée dans ce deck-là. Il y a un petit potentiel, un petit truc pour booster un peu plus la génération de tokens créés par ce deck-là. Ensuite, on a alors Prêtresse des Dieux Oubliés. C'est une 1-2 pour 2. Quand on l'engage, on sacrifie deux autres créatures, n'importe quel nombre de joueurs ciblés pendant perdent chacun 2 points de vie et sacrifient une créature. Et on joue. On ajoute 2 mana et on pioche une carte. Donc très bien dans un deck noir parce qu'en fait la possibilité de créer par exemple des tokens zombies ou ce genre de choses-là ou des saprobions, ce que vous voulez, et ben, du coup on va pouvoir forcer l'adversaire à sacrifier des créatures, à se défausser de cartes. Nous on pioche des cartes, on a du mana, on peut rejouer. Enfin bref, il y a pas mal de. Enfin je trouve que le combo derrière, il y a pas mal de choses qui peuvent s'associer à cette carte-là pour avoir comment dire, des combos assez sympathiques. Je pense aussi surtout au Fungus, là, c'est comment on s'appelle, les petits tokens 1-1 avec l'autre qui fait à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, machin, il perd un point de vie, on gagne un point de vie. Donc là, du coup, on regagne des points de vie, on a du mana, on peut rejouer des cartes, enfin bref. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec ça, faire des petits trucs assez sympathiques. On passe ensuite à la Druidesse d'Incubation. C'est dommage, c'est pas un nom d'un, j'aurais bien aimé. Donc c'est une 0-2 pour 2, et quand on l'engage, on ajoute un mana de n'importe quel type de qu'un terrain que vous contrôlez pourrait produire. Et si elle a un marqueur plus 1 plus 1 sur elle, à la place, on ajoute 3 manas de ce type. Donc, potentiellement, avec la capacité adaptée, mais bon, à 5, on oublie. Cette créature a un marqueur, machin, nanana. Donc, tour 2. C'est un petit elfe de Yanovar, hein, entre guillemets. Et tour 3, on peut lui mettre un marqueur plus en plus en dessus. Et du coup, tour 3, imaginons, on a 3 manas. Et bah du coup, on joue un sort qui met un marqueur plus en plus 1. Donc il nous reste 1 mana. On l'engage, ça fait 4 manas encore en plus. Donc tour 3, on a potentiellement 6 manas disponibles. Tour 3, 6 manas. Tour 3... c'est un, si je dis pas de bêtises, c'est un tyran. Tour 3, un tyran. C'est insane cette carte là. Ensuite, nous avons un public captif. Alors ça pareil, j'ai complètement débile, je trouve. Ça sera pas joué en compétitif, mais j'aime bien cette carte là. Donc quand il arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire de votre choix. Au début de l'entretien, choisissez l'un qui n'a pas été choisi. Votre total de points de vie devient 4. Défaussez-vous de votre main où chaque adversaire crée 5 jetons de créatures de noirs zombies. Donc ça veut dire que c'est à l'adversaire de choisir soit de se défausser de sa main, soit que donc moi je récupère 5 jetons de 2 noirs zombies, et puis au bout du 3ème tour, bah, son total de points de vie devient 4, donc un petit truc, un blast, un machin qui passe, qui inflige 4, et c'est terminé pour l'adversaire. Bon, par contre, coup de mana, 7, c'est assez important. On arrive vers la fin, Limon biosynthétique, c'est une 2-2 pour 5, quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton
de créatures 2-2 vers Limon. Et au début de notre étape de fin, on met un marqueur plus simple 1 sur chaque Limon que nous contrôlons. J'aime bien le principe d'avoir des marqueurs qui sont posés, surtout que dans le deck blanc, bleu-vert, ça marche plutôt pas mal. Avec pour 4 mana, donc 3 verts et 1 incolore, de la création d'un jeton de créature vert limon. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que nous avons? Effondrement des pensées. Ça pareil, je trouve ça assez intéressant dans un deck meule. Donc voilà, pour 3 mana, on contrecarre le sort ciblé. Et en plus de ça, le contrôleur. Son contrôleur, donc contrôleur du sort qu'on contre, met les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Donc on va avoir en plus des contres qui vont faire meuler l'adversaire. Donc je vous ai déjà présenté un petit deck meule assez sympathique. C'est une carte qui sera rajoutée dedans. Un autre Planeswalker, le Domri Fracasseur de cité pour 5 mana. C'est 6 mana, pardon. C'est un Planeswalker, donc rouge-vert avec 4 marqueurs loyauté. Son plus 2, c'est les créatures que nous contrôlons gagnent +1/+1 et qui ont la célérité jusqu'à la fin du tour. Pour le moins 3, il inflige 3 de blessure à n'importe quelle cible. Et pour moins 8, on met un marqueur +1/+1 pour chaque créature que vous contrôlez. Les créatures acquièrent le plus 1 jusqu'à la fin du tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rejet de devine. Donc mettez jusqu'à une créature engagée ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Vous pouvez chercher dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte appelée donc bovine. Donc c'est pour aller chercher les planeswalkers. Hein. Il existe pareil pour la même chose pour Domri. Donc voilà. Et la petite dernière, cavalcade de la calamité. Un petit enchantement. Pour 2 mana, et à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 1 que vous contrôlez attaque, la cavalcade de la calamité inflige 1 blessure au joueur et au planeswalker de cette créature. Donc pareil, on booste l'agressivité d'un deck rouge. Je sais pas si vous avez vu le nombre d'enchantements qu'il y a en rouge et rouge-vert pour interagir avec les créatures, l'attaque, les dégâts, etc. Ça risque d'être un carnage en termes d'agressivité, je pense que ça va aller très très fort. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo des previews Magic, donc de la nouvelle extension Ravnica Allégeance. On se retrouve bientôt pour l'ouverture de booster sur Magic Arena. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos Magic et Magic Arena. Moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.